Bonjour à tous, ici Cosmorève et on se retrouve pour ce 30e épisode de notre série sur Fire Emblem Awakening. Dans l'épisode précédent, nous avions fait l'annexe 7 et 8 et là on va faire l'annexe 9, donc c'est parti. Donc annexe 9, les ailes de la justice, c'est parti. Quel village animé? C'est le temps des récoltes, nous pourrons manger à satiété. Très bien, ça fait une éternité que j'ai pas le droit à un bon repas. Pour l'instant, ça m'a l'air assez calme. Ah non. Soyez les bienvenus dans notre... Vous êtes... Oui. Désolé, mais nous sommes fermés. Ouais. C'est plutôt étrange, nous essayons notre auberge. D'accord, c'est bizarre. Cet endroit a l'air ouvert, père. Ah! Je vous en prie, pas encore la terminer tout ce que nous avons. Laissez-vous tranquille. On dirait que les habitants ne nous apprécient pas. J'ai mené mon enquête pour trouver de quoi cela rimait. Ces bandits sans foi ni loi pillent un village depuis... Apparemment, leur chef se ferait passer pour vous. J'aurais dû m'en douter, sais-tu où ils se cachent? Ils se sont dirigés vers le nord. Bien, partons à la poursuite. D'accord, c'est très bizarre cette affaire. Encore un beau butin, longue vie au prince Chrome. Chrome, père... Père? Comment ça, père? Monseigneur, chevalier Pégase... Ah non, monseigneur plutôt. Cynthia de retour des patrouilles. J'ai encore trébuché, excusez ma maladresse, je vous assure que ça ne se reproduira pas. Ce sera un miracle. Enfin, fais-moi ton rapport, qu'as-tu vu? Un groupe de voyageurs suspects pose des questions en ville. Oh. Leur chef se frappe les Chrome. Je les soupçonne d'être un imposteur se faisant passer pour vous. Ils doivent être arrêtés immédiatement, père. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça en présence de mes hommes, Cynthia. Désolé, père, je veux dire, monseigneur, votre majesté, ça ne se produira plus. Mais comment ça, son père? Tes paroles sont à peine plus assurées que tes pas. Cependant, tu as raison, ce sont des imposteurs, de toute évidence. Hélas, nous n'avons pas ces dames pour les arrêter. Nous ferions mieux de ravaler notre orgueil et d'opérer un repli stratégique. Permettez-moi de faire diversion, d'accord. Bonne initiative, je vous décevrai pas, monseigneur. Bon sang, qu'elle est stupide. Heureusement que sa lance est plus affûtée que son esprit. Au moins, elle ne dégare plus au sujet de sa venue du futur. D'accord, mais c'est qui cette fille en fait? Elle est bizarre. Qui es-tu? Tous ceux qui usurpent l'identité du prince Chrome doivent répondre à leur impudence. Baissez vos armes et rendez-vous ou vous tâterez de ma lance. Elle a l'air bien sûr d'elle, qu'en penses-tu, Cosmo? Si elle a réellement été dupée, il doit être possible de lui faire entendre raison et lui montrer la vérité. Au nom de sa majesté le prince Chrome, jetez vos armes mourir en dégainant. D'accord, très bizarre cette fille. Voilà, on va... Une bande de mercenaires, la fortune me sourit aujourd'hui. Quelques mensonges habiles, ils seront tous à ma proche. Comment ça? Bon. On va essayer déjà de commencer par... Tac. Donc... Vous deux ensemble. Toi, tu vas avec la danseuse. Toi... Ici. Alors par contre, il va falloir que je fasse très... Très attention. Parfait. Déjà, vous allez vous mettre en retrait de ce côté. Permutez. Attends. Vous allez vous mettre deux. Donc le groupe, tac et tac. Vous allez attendre ici. Pour ce qui est de vous, vous allez vous mettre là. Vous, ici. Plus ça. Vous, là, et vous, ici, à la face ennemie. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, la fille est toujours là-bas. Donc déjà, on va commencer par faire une attaque comme ça. Et une attaque comme ça. Comme ça déjà on en élimine. Ensuite. Voilà. Ah non, plutôt. Voilà, plutôt elle. Et lui, on va les faire boucher. Voilà. Et eux. Ici. Qu'est-ce qu'il fait? Prince Ram, prince, les brigands nous pourchassent. Si vous m'aidez, je veillerai à ce que vous soyez gracieusement rétribué. Ah, d'accord, carrément, ils deviennent des ennemis. Super. Putain, non, mais ça va être chaud ça. Alors, déjà, toi, tu peux pas attaquer. Hop! Et là, changement de niveau, c'est pas que du bonheur ça?
Voilà, plus de puissance. C'est la maîtrise. Et ma danseuse, ma pomponnette, t'es là, viens là. Tu vas redanser. Allez, un petit duo. L'âge de Slasher est cassé, certes, mais au moins... Remède. Vous, vous allez vous attaquer à celui-là. Oh, pas mal. J'ai peur qu'elle vienne. On va essayer de se mettre là. J'espère juste qu'elle va pas venir. Si elle vient, je la tue. Ça va. Parce qu'il faut que je le parle. Normalement, ces personnages-là, faut que je les parle avec les princes. Allez, on peut parler. Voyons voir ce qu'elle veut nous dire. Baisse ta lance un instant et écoute-moi, on t'a menti. Et parle-moi tes histoires, brigand. Je n'ai rien à dire à quelqu'un sur l'identité de mon père. Mais putain, mais c'est pas ton père, merde. Mais combien de mes filles vont faire le voyage dans le temps pour venir me voir? Comment êtes-vous au courant? Je suis déjà passé là avec Lucina. Lucina est ici? En chair et en os, mais elle avait omis de mentionner qu'elle avait une sœur. Mais alors vous êtes mon vrai... Oh père, vous m'avez... Quoi? Mais j'ai toujours cru que dans Fire Emblem... Je croyais que dans Fire Emblem Awakening, le Chrome n'avait que Lucina comme fille. Mais en même temps, j'ai jamais fait les quêtes annexes lui-même. Je savais pas qu'elle avait deux filles. Mais tapant, je savais que ce type était louche. Il n'avait même pas souri lorsque je l'ai retrouvé. Mon vrai père m'aurait étreint en m'appelant sa jolie princesse Pégase. Est-ce que c'est vraiment comme ça que je t'appelle? Si vous voulez que je vous croie, vous n'avez qu'à le dire. Eh bien, je suis vraiment heureux de te voir, ma jolie princesse Pégase. Je suis heureuse de vous revoir, père. Je n'arrive pas à croire que je me suis laissé duper par cet imposteur. Je vais le tuer. Je vais lui planter le sabot dans sa salle d'être de menteur. Il est encore plus lunatique que sa mère. Je n'aurais pas cru ça possible. D'accord, bon. Je viens de découvrir à l'instant que Chrome avait une deuxième sœur. C'est vraiment bizarre. Comment il peut avoir une deuxième sœur? Ah. Permuté. Putain. Objet. Ok. Et là. Génial. Et en plus, elle survit. C'est que du bonheur. Maintenant, toi, tu vas souffrir. Elixir. Ah, et comme ça, là, elle est en... Là, elle est bien. On va essayer de faire très attention à ça. Hein. Attends. Vous avez combien de potions, vous? Bah, vous avez... Oh, bah, allez, donnez tout ça à elle, attends. Objet. Échanger. Hop. Voilà. Prépare tes guerriers si tu veux. Tiens. On va s'amuser un peu. Tac. Et ensuite, on va te refaire une danse. Allez, vas-y, danse. C'est bien, belle danse. Ok. Ensuite, tu vas refaire une putain d'attaque. Tu vas l'exploser. Vas-y. Allez. Et voilà, 26 de dégâts. Ça fait mal, ça. Elle est super forte quand même, hein. Ça va. Alors ensuite, on va tout faire pour les éliminer, pour éviter justement qu'ils l'attaquent. J'ai pas envie qu'il y ait de problème. Martyrelisme, mais bon, je m'en fous. Toi, t'es mort. Je vais te tuer, voilà. Voilà, 71. Et toi, tout va mourir. Allez. Vas-y, attaquez. Super. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle de l'attaque en groupe. Voilà. Donc toi, tu vas avancer là. Cosmo, tu vas les aider. Ils ont plus besoin de ton aide. Alors, j'espère qu'ils vont venir.
Putain, mais il dit toujours la même chose. Ok. La cavalerie arrive. Permuté. Chrome, tu vas te mettre ici, on sait jamais. Vous ici. Vous ici. Et toi ici. J'espère juste qu'ils tueront pas. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh là, j'ai peur là. On va essayer d'avancer doucement. J'ai juste pas envie de faire de conneries quoi. Allez. Ok. Déjà, toi, je vais pas te laisser faire. Ensuite, toi. Oh. Tac. On va essayer de les massacrer. Bah déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'avec... Attends, par contre, est-ce que... Je suis en train de me demander... Non, on pourra pas. Et si j'attaque lui? Et si j'attaquais... Bon. Voilà. Permuté. On va faire attendre. Toi, tout va crever. Je ne mourrai pas dans ce trou perdu. Je prends le butin et je file. Désolé, t'auras pas le temps de récupérer ton butin. Parce qu'on va te défoncer la gueule. T'aurais pas dû. Ça t'apprendra à avoir fait le tourner de la fille de Chrome. Tiens. Adieu. Je n'aurais pas eu vivre comme si j'étais un prince. Trésorel. Oh. Ok, il me reste plus qu'à me débarrasser d'eux. C'était sûr qu'elle mourrait. De toute façon, j'en étais sûr. On a un changement de niveau. Ah, par contre, la fille, elle peut le terminer. Putain, ils attaquent même pas, mais... Est-ce que je peux les soudoyer? Non, même pas. Bon, dommage. Attends. Pour commencer, toi... Tu vas mourir. Au moins, t'as réussi à lui enlever de la vie. Et ça fait un boulet en moins. Donc déjà, toi... Tu vas le tuer. Ah. Attaquer. Bah déjà toi. Pour commencer. Parce que là je vois qu'on est en pas mal danger là. Ah. Ah bah elle peut aller là. Bon bah c'est bon. Cosmo, tu vas te mettre ici. Et tu vas m'attaquer celui-là. Tac. Chrome, tu vas m'attaquer. Non, permuté. Et tu vas m'attaquer. Ah, d'accord, c'est. Oh, mais il a pas. Ah, si, ça va, il l'a éliminé. Parfait. Donc, niveau 20. C'est super. Zelcher. Je te laisse t'occuper du dernier. Et voilà. C'était le dernier. Pendant que nous les soignerons, nous expliquerons la vérité à ces mercenaires. Je suis choqué que ce vaurien ait osé se faire passer pour vous, monseigneur. Ce n'est pas le pire de ses crimes, j'en suis sûr. C'est inacceptable, j'ai failli à mes devoirs de chevalier. Je devrais dessiner une série de portraits et veiller à ce qu'ils soient distribués à tous. Ainsi, plus personne ne confondra jamais le noble visage du prince Chrome avec.
N'en fais pas trop, Frédéric, allons-y. Très bien. Oh, avez-vous un moment, Sunia? Oh, bonjour, tu es la fille que j'ai vue tout à l'heure. Cynthia, je m'appelle Cynthia. Quel joli nom. Je sais, je l'ai toujours aimé. C'est un héritage de ma mère de vous. Comment, mais je ne te connais. Oh, mais vous me connaîtrez un jour. N'est-ce pas magnifique, je viens de future mère. Vous voyez, nos anneaux ils sont identiques parce que vous m'avez l'avez confié. C'est ce que vous ferez plus tard avant que je revienne, mais après que... Enfin, c'est une histoire compliquée. Alors, tu es ma fille. Et comment vous m'avez tant manqué, mère? Allez, faites-moi un câlin. Oups. Oh, je dois probablement avoir quelques bleus. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Pas de doute, c'est bien ma fille. Attends, tu fais tomber quelque chose à faire de lance? Désolé, je le reprends. Qu'est-ce que tu fais avec ça sur toi? Ce n'est pas encore terminé, vous aviez promis que nous fabriquions ensemble. Vraiment? Mais vous avez rompu cette promesse le jour où vous n'êtes pas revenu. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Vous étiez invincible, vous étiez une légende. Alors je suis morte au combat. Je suis désolé, je ne sais pas si cela fait vraiment de moi une légende. Vous l'êtes à mes yeux. Je ne me suis pas invincible, mais j'ai eu une fille formidable. As-tu déjà choisi un manche pour assembler ta lance? Nous pourrons réunir tous les matériaux nécessaires dans la prochaine ville. Vous voulez vraiment m'aider? Eh bien, j'ai fait une promesse, non? Mère! Ok, l'annexe 9 est finie. C'est parfait. D'accord. L'annexe 10. Non, ça c'est l'annexe 17, ça. C'est pas l'annexe 10, ça. Annexe... 10! On l'a trouvé! Putain, on est meilleur! On est bon! Alors... Ah bon. Passons la parlotte, hein. C'est très intéressant, hein. Ouais, un arc, je m'en fous. Et vous, Anna Marchand, elle est belle. Oh, elle est belle, elle est mignonne comme tout. Génial. Ah, toujours pas. Oh, les cons. Oh, mais je m'en fous de... Moi, c'est pas eux que je veux augmenter. Bravo. Quel pagaille, je devrais vraiment ranger plus souvent. Ah. Grand Dieu, Cynthia, est-ce que quelqu'un nous attaque? Cynthia, tout va bien? Lucina, respirez, Cynthia, calmez-vous, dites-moi ce qui s'est passé. Vous n'avez rien à craindre maintenant que je suis là. Une bestiole, une bestiole. Vous parlez d'un insecte? Je parle d'un gros truc affreux et terrifiant avec des pattes velues horribles. Vous voulez dire que tous ces cris et cette agitation sont plus durs à un insecte? J'ai cru que l'armée des ombres arrivait, ça aurait pu créer un branle-bas général. Ça vole, rien ne t'approche pas de moi. Ah, tu as vu, c'est un cauchemar. Alors hâte-toi, tue-le, brûle-le vif. Pas question de m'approcher de ce truc, c'est trop énorme. Quoi, je croyais n'avoir plus rien à craindre maintenant que tu étais là. Comment vas-tu sauver le futur si ça ne peut même pas tuer cette bestiole? Ces deux choses n'ont rien à voir entre elles. Et comment espérez-vous devenir une grande héroïne en ayant peur d'un insecte? Plutôt mourir comme une lâche que de toucher cette chose affreuse. Écoute, c'est toi l'aîné, alors vas-y, tu l'as. Père, t'as bien demandé de toujours protéger la petite sœur. Je suppose, oui, très bien, je vais arranger ça. J'étais sûr de pouvoir me fier à toi, gloire au saint roi passé et à venir. Vous avez du sang royal aussi, vous savez, vous pourriez montrer un peu de courage. C'est le moment, la bestiole vient de se glisser dans le coin derrière l'étagère. C'est très sombre, je n'y vois rien. Tu devrais faire billet Falcon et dès que tu l'aperçois, quick. Falcon n'est pas un outil fait pour chasser les nuisibles, Cynthia. Ah, d'accord, d'accord, je suis désolé. Ah, il s'envole encore. C'est un ennemi impressionnant, mais je vous promets que je ne le toucherai pas. Allez, Lucina, tu. Au nom du ciel, qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Père. Sérieusement, tout se pour un insecte, mais à quoi pensiez-vous? Désolé. Je suis désolé, père. Je vous demande simplement de ne pas recommencer. D'accord? C'est logique, il s'en charge. Il est si inébranlable. C'est vrai, même s'il est beaucoup moins calme qu'il nous a réprimandé. Tu te sens toujours mal à propos de ça. Je me suis bien amusé, moi, au final. Je ne me souviens pas qu'on ait eu des ennuis pareils ensemble. C'est comme si, je ne sais pas, pendant un instant, on est une famille normale. Je reconnais que ça m'a plu, moi aussi. Oh! Il y a trop de parlotes. Ça, je perds de la salive, c'est horrible. Quoi? C'est amusant d'avoir un parent, un enfant du même âge, hein. Je suis sûr que nous allons être amis. Amis, ça ne va pas être possible, ça vous resterait mon supérieur avant tout. Pendant la bataille, vous ne devez pas hésiter à me donner des ordres. Mais tu n'es pas comme n'importe quel autre soldat, pas moi.
Non, soyons amis et parlons d'égal à égal plutôt. Vraiment, vous ne vous sentirez pas insulté, n'est-ce pas un peu trop direct? Bien sûr que non. Quel soulagement je me souhaiterais pour rien au monde vous irriter. Est-ce que tu t'impressionnes tant que ça? À mon époque, vous êtes une vraie légende, la plus célèbre chevalier Pégase de tous. Il y a tant d'histoires sur vos faits légendes et terribles. Par exemple, quand vous avez percé les lignées ennemies pour sauver Chrome. J'ai vraiment sauvé ça, fait ça? Et là aussi, cette fois où vous êtes disputé avec Chrome et où vous l'avez giflé. Là, je passe pour une hystérique. Et la fois où vous êtes entré dans une furie sanguinaire et avez tué amis et ennemis. J'ai tué des amis, mais ce n'est pas héroïque du tout. J'ai grandi avec ces histoires et elles m'ont donné force et inspiration. Je pense que je vais faire plus attention à ce qu'ils parlent dorénavant. Voyons donc ce que disent les fleurs. Option 1, option 2, option 3. Cynthia, pourquoi arraches-tu ces pétales de ce pauvre pissenlit? Bonjour père, vous êtes justement la personne que je voulais voir. Je me sers des fleurs pour choisir une entrée dans la bataille. Mais j'ai toujours du mal à me décider, alors je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je ne connais rien aux fleurs, ni aux entrées spectaculaires. Alors laissez-moi vous montrer et vous déciderez quelle est la meilleure. La première consiste à surgir d'un nuage et de fumée mauve. Oh, l'autre consiste à apparaître sur le champ de bataille sous une pile de pétales. D'accord. La troisième possibilité est de jaillir d'une ferme au milieu de la bataille. Alors qu'en pensez-vous, père? Lesquelles préférez-vous? Peut-être celle avec les pétales. Vraiment, je suis surprise. Je ne pensais pas que c'était votre genre. Mais si c'est celle-ci que vous préférez, il va falloir que je ramasse beaucoup de pétales. Cynthia, cette entrée, ce n'est pas pour moi, n'est-ce pas? Bien sûr que si, pourquoi demanderais-je votre amitié autrement? Hein? Je suis surprise, mais heureuse que vous ayez choisi celle avec les fleurs. C'était mon entrée favorite. Non, attends, reviens! Mais dans quoi est-ce que j'ai mis les pieds? T'es dans la merde, Chrome. Ok. Alors, on reprend, on va faire donc l'annexe 10. La forteresse mercenaire, donc c'est l'annexe 10 ambivalence. D'accord. Ça ne peut plus durer, ancien Bronson. Il nous reste à peine de quoi survivre. Leur chef est un ancien général Valmien, il nous écrasera si nous tentons de résister. Ouais. Un Valmien, que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Mon nom est Chrome. Le prince d'Ilis. Peut-être qu'il pourra nous aider, lui. Je vous entends, vous savez. Allons, dites-moi quel est le problème et je verrai ce que je peux faire. Merci, bon seigneur. J'ai des nouvelles de la plus haute importance, sire. Une bande armée approche, leur chef prétend être le prince d'Ilis. Damnation, que viennent-ils faire ici? C'est ça, le chien me suit à la trace, je vais devoir lâcher les miens. Vieux fou, je ne suis pas votre chien de garde. Non, juste un cabot errant qui ne finit pas de jacper. Mais tu as intérêt à m'obéir comme un vieux toutou si tu veux. Si je veux le revoir un jour, je suis au courant. Je suppose que toi aussi, Hollande, je sais à quoi t'en tenir. Toujours aussi loquace à ce que je vois. Tu te battrais si je te ordonne ou je te ferai couper la langue. J'oublie des fortes chances pour que le prince ait avec lui l'emblème du feu. Si je pars vraiment d'un pareil, le trône sera pratiquement à moi. Partez maintenant, tuez tous ceux qui vous croiseraient. D'accord. Voyons voir la carte. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que... Ah, ici. Elle. Ici. Et toi. Bah, parce que si je mets ça, si je mets ces deux groupes ensemble, oui aussi. Bah, je vais faire ça alors, je vais le remplacer avec lui. Tac. Combattre. Je vois, allons reprendre les mécréants qu'ils ont volés. Tout le malheur pour une si petite chose. Une fois que j'aurai obtenu ce que je veux, je file d'ici. Je pourrais peut-être convaincre Hollande de venir avec moi. Allez, on va vaincre le boss. Chrome, déjà tu rejoins ta Lucina. Et on va lui parler. Un enfant ici? Qui traites-tu d'enfant, gros balourd? Attendez, c'est vous le général ennemi? Je ne sais pas, nous sommes nous ennemis. Vous êtes Chrome, n'est-ce pas? Le père de Lucina? Exact, je suppose que tu arrives ici de la même façon qu'elle. Bien, vous êtes déjà au courant, ça va vous faire gagner du temps. C'est drôle, je vous avais imaginé plus impressionnant. Eh bien, merci du compliment. Flatterie mise à part, si tu sais te battre, tu peux te joindre à nous. Vous ne perdrez vraiment pas de temps, c'est quelque chose que j'apprécie. La sonne a quelque chose qui m'appartient, je veux le récupérer avant toute chose. Pour tout dire, nous sommes là pour prendre ce qui a été volé aux villageois. Nous pourrions en profiter pour récupérer aussi ce qui t'appartient, quand tu veux. D'accord, mais vous devez aussi me promettre d'aider Hollande, mon ami. Ce n'est qu'un pauvre Drill qui, comme moi, n'a pas choisi d'être ici. Sauras-tu lui faire entendre raison?
Oh, si vous me laissez lui parler, il écoute presque tout ce que je dis. Et puis, il aide Nelson autant que moi, alors essayez de ne pas lui faire de mal. Nous ferons attention. Bah, par contre, il est où hein? Non, ça c'est Nelson. Ah, la volante, le voilà. D'accord, bon, bah, on va essayer de faire très attention dans ce cas-là. Donc, le mieux, c'est que Cosmo, on le met ici. Et il va se servir pour affronter ses pecnos. Voilà, s'ils viennent me faire chier. Permuté. Attends. On va mettre qui avec eux? Je sais pas. Bah déjà... non. Vous deux, vous allez rester ici. Et toi, tu vas aller là. Tu vas attendre. Tu vas permuter danser. Ah merde. Bon. Tu vas te mettre ici. Tu vas faire permuter et tu vas faire danser sur celui-là. Donc avec eux, nous allons tout faire pour éliminer d'abord tous les personnages avant que elle. Parce que voilà, elle est encore en vert, je peux même pas la déplacer, putain. Ça veut dire qu'elle va marcher par elle-même, va falloir obligatoirement que je fasse attention. Super. Séparé. Toi, tu rejoins ta donzelle. Phase ennemie. Oh là là, non, ça va être chaud, je le sens que ça va être dur. Je sais pas pourquoi. Alors. Le groupe numéro 1 va se déplacer ici. Toi, tu vas par là. Toi, tu vas attendre. Ah, attends. Tac. Voilà. Tu vas attendre ici. Et toi, tu vas lui faire une petite danse. Voilà. Ah bah c'est parfait. C'est vraiment parfait. Tu vas avancer ici. Il faut tout faire pour que pas qu'elle semble. Putain, mais elle me dépasse à chaque fois. Je vais être dans la merde si elle me dépasse. Si elle fait une connerie, je te le dis tout de suite, ça va se saigner. Permuter. Attends. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle a fait une connerie. Je la sens la connerie, mais à des kilomètres. Ok. Ok. Et... Ok. Oh, mais non, mais elle meurt. Pourquoi? Je pourrais jamais avancer en fait, hein. Je pourrais jamais les faire. Bah, c'est pas grave, je ferai des petits combats dans des petites routes de merde contre eux, voilà, c'est tout. Voilà, toi tu meurs. Putain, il arrête de me dépasser. Déjà, toi, je vais tout faire pour pas que tu attaques. Allez. C'est parti. Élimine-le. Allez, toi t'es mort. Parfait. Voilà. Toi, je vais pas te laisser continuer comme ça. Tu vas crever. Et comme ça, tu vas pouvoir me laisser. Il faut pas qu'elle meure. C'est sûr et certain, faut pas qu'elle meure. On va essayer de libérer un maximum de passages avant son arrivée. Mais il faut, si j'ai bien compris, qu'elle rejoigne son pote. Allez. Prends-toi ça. Et voilà. Parfait. Toi, t'es mort. Attendre. Ensuite, toi, tu vas avancer. Et vous allez permuter
et attendre. Allez les méchants, bah vous allez me faire quoi? Vous avez raté en plus. Vous êtes vraiment des cons. Hein. Regarde, toi tu meurs. C'est bien, laissez le passage, laissez le passage. Oui. Impasse. Ouvre les portes et les coffres. Ça peut servir. On va enlever. Non, ça peut servir par contre. Éclair Katarina, il m'en reste qu'une utilisation. Bah, autant le supprimer. Hein. Ok. La map a dépassé, c'est bien. Ok, on va par contre attaquer. Alors là, c'est bon, t'es mort. Solaire. Je récupère de la vie. Tu m'attaques. Je lance lunaire. Et t'es mort. Allez, adieu. Ensuite. Je sais que vous voulez vous attaquer à l'autre fille. Mais on ne vous laissera pas. Voilà. Changement de niveau. Niveau 19. Encore de l'augmentation. Eux, ils vont devenir vraiment badass. Hein. Vous, tu ne survivras pas. Pas de magicien. Ok. Ah, dommage, j'aurais pu... Bon bah toi, défends-toi, hein. De toute façon, t'es une grosse merde. Ok. Ah, et toi, t'es mort. Putain. Fais chier, quoi! Allez, mais vous allez voir, vous ne pourrez rien contre moi. Allez, vas-y. Attaque-moi. Tiens, tu veux jouer comme ça? Adieu. Et voilà, t'es mort. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ça va devenir chaud maintenant. Déjà. Toi t'es mort. Objet. Un breuvage. Et on va faire. Permutez. Et on va faire une petite danse du ventre. Rien de vaut une petite danse pour repartir à l'action et ainsi défoncer ce petit personnage. Putain. Vas-y, ramène tes potes, ramène tes poteaux. Tiens, regarde. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Là, ils sont là-bas, tes poteaux, ils vont rien me faire. Par contre, je devrais peut-être envoyer un groupe déjà pour commencer à les défoncer. Allez, on y va. Eux deux, ils vont partir déjà là-bas. Tu sais, ils vont même partir à trois. Non, parce que eux, ça se trouve, ils doivent aussi les suivre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'attaquer? Tu veux attaquer un mage? Parfait. Viens, viens, attaque un mage. Tu vas te brûler les ailes. Initiation. Allez, prends-toi ça. Rest in peace, ma gueule. Et voilà, c'est bon. On va réussir à l'emmener jusqu'à là-bas. Encore un petit effort. Ok. On va te laisser t'occuper de lui, d'accord? Oka, mon cosmos sera avec toi. Et mon crâne sera avec toi. Tous les autres, on repart dans ce sens-là. Et on va s'éclater. Allez. On les attaque, c'est parti. Toi, tu vas crever. Je ne vous laisserai pas vous occuper du jeune groupe. Déjà, on va vous exploser pour tout ce que vous avez fait. Et après, on va vous tuer. Allez, voilà, t'es mort. Tu servais à rien, je te l'ai dit, ma gueule. Allez, ça c'est fait.
Une phase alliée. Rappelle-toi, si jamais l'attaque, nous sommes là. Si jamais elle est là. Hollande, que faites-vous ici? Si Nelson apprend que vous avez quitté votre poste, je m'en vais, Hollande, et je voudrais que vous vous joigniez à moi. C'est Vera, je ne peux pas, vous le savez. J'ai besoin de l'argent de Nelson, ou ma femme mourra de faim. Je sais bien d'où vient cet argent, mais... Votre femme est enceinte, Hollande, l'auriez-vous oublié? Bien sûr que non, et ce ne sont pas vos affaires. Vous aimez cet enfant, non? Et votre femme, Hollande, ne l'aimez-vous pas? Bien sûr que si. Alors arrêtez toutes ces excuses, je sais bien que vos parents feraient tout pour votre enfant. Mais je sais aussi que ça se fait qu'un enfant perd ses parents. Trop d'enfants de ce bas monde le savent aussi. Restez, vous finirez pour vous faire tuer, c'est tout ce que vous voulez? C'est Vera, je suis désolé, je ne savais pas. Cela a dû être terrible pour vous. C'est vrai, je ne peux pas abandonner, partons d'ici. Vraiment? Vraiment, allez, pas de temps à perdre. Génial! Elle est enfin à mes côtés. Et maintenant, il est temps de les exécuter. Ils vont le payer pour tout ce qu'ils ont fait. Allez, on va t'attendre. À la charge! Toi! Tu devrais même pas venir. Toi! Non, il a réussi à tuer son premier ennemi. Eh ben, mon salaud! Ne le laisse même pas. Voilà. Faut se diriger vers les méchants. Ok, c'est parti. Allez, on va commencer à les rattraper. Toi, t'as même pas intérêt de crever, hein. Allez, toi, tu vas mourir. Allez, je te laisse en charge. Attaque! Allez! Et voilà, c'est fini, il est mort. Allez, une bonne chose de faite. Avant de nous occuper de ce salopard. Il est là-bas. Ça devrait être assez rapide. Ok. Mais oui, mais tu vas crever. Ah là là, il m'énerve. Ils vont tellement mourir. Ça va tellement saigner. Allez, vas-y. Terminé. Et toi? Terminé aussi. Allez, c'est parti. Voilà, allez. Ensuite, vous... Enfin, tu vas te mettre ici. Ah, bah toi. Permuté. Tu vas faire ta danse. Comme ça, il va pouvoir réutiliser un tour. Et tu vas te mettre ici. Bah alors, ils avancent pas? Non. Oh, ils avancent pas. Que c'est gentil. Ah, je vais tellement les défoncer. Ah là, là, ils m'ont mis en ragne. Séquestrer une belle fille. Belle comme tout en plus. Oh là là. Alors là, ils vont me le payer. Un tour supplémentaire. Alors là, la cavalerie arrive. Mais là, je vais tellement vous tuer. Je vais tellement vous tuer. Proprement et... Non, non, pas proprement, salement en fait. Vous avez salement morflé. Allez, voilà. Vas-y, Cosmo. Allez, montre-lui ce que c'est que ta force. Allez, vas-y, c'est bon. Initions. Allez. Que les flammes de l'enfer te consument. Et voilà, dans une trompe de pétales en même temps. De pétales de fleurs, de roses. Magnifique. Quoi, tu vas encore continuer? Oh. Oh, mais tu perds pas de temps. Regarde ça, initiation pareil, regarde. Alors là, tu vas crever. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a des pétales de fleurs en fait qui apparaissent. Ça, c'est peut-être le dragon, mais bon. Allez, crame, on avance. Vous êtes à la traîne là. Non, toi, tu devrais te mettre là.
Alors. Ah bah alors là, il est dans la merde, lui. Il est dans la merde. Tu vas crever. Je suis là. Je vais te tuer. Ok. Bon, on peut laisser, hein. De toute façon, entre eux, ils vont le défoncer. Allez. Mais que font donc ces incapables? Occupez-vous d'eux. Mais là, ils sont tous morts. Tiens, c'était l'air. Adieu. Allez. Regarde ça, il se défend même pas. Eh bah, il est faible. Mon trône, mon empire. Et un talisman, je m'en fous. Et on l'a terminé. Vous avez sauvé le village de famine, vous êtes un vrai héros, monseigneur. On me le dit souvent. Ouf, le voilà enfin. Mais je me demande, c'est la fille de qui en fait, elle? Un anneau? Mon anneau, et je vous prierai de cesser de la regarder avec vos yeux pleins d'envie. Il vaut plus que tout le monde. Ce vieux fourbe de Nelson me l'avait volé une nuit pendant mon sommeil. Merci, Chrome. Beau travail, Chrome. Pardon, qu'avez-vous dit? Je ne vous ai pas entendu. Ah, c'est vrai qu'ils ont les mêmes cheveux. Oh, c'est toi? Que voulez-vous? Je veux simplement te remercier pour ton aide. Tu t'es bien battu. Severa, je m'appelle Severa. Cela te va étrangement bien, mon nom est Cordelia, je sais. Oui, c'est ça, mais comment... Pardon, mais je ne serais-tu déjà présenté? Sûrement, puisque je connais votre nom. Je vois, et bien, en tout cas, merci, Severa. J'avais compris la première fois. Et puis, je n'ai rien fait de spécial. Tout ce que je voulais, c'était remettre en main ce qu'on m'avait volé. Tu parles de cet anneau? Pour te deviner, on dirait exactement... Je comprends, maintenant, ça explique comment tu connais mon nom. Tu es une amie de Lucina, n'est-ce pas? Et tu es... seule. Comment? J'ai dit que j'ai fait ce voyage pour vous voir, car je pensais que vous seriez seul. Oh, et de rien. C'est vraiment adorable. C'est ça, moquez-vous. Vous n'en avez rien à faire, rien à faire de tout ça. Comment puis-tu croire cela? Je ne sais comment te dire combien je suis heureuse. Alors pourquoi m'avez-vous abandonné? Vous êtes parti vous battre pour ce qui compte vraiment. Vous n'êtes donc jamais revenu. Vous m'avez laissé tomber avec pour Chrome. C'est difficile pour moi de répondre à ces actions futures, Severa. Mais ce qui compte vraiment, c'était sûrement toi. Ce que je souhaite tout mon cœur, c'est de construire un monde meilleur pour toi. En tout cas, maintenant, c'est ce que je veux. Et vous pensez que je le savais pas? Je le sais, mais... Désolé d'avoir été si piètre, mère. Ne dites pas ça, vous êtes la meilleure mère du monde. Je suis la plus chanceuse, en tout cas. Oh, mère, vous m'avez tant manqué, désolé d'avoir été si méchante. J'avais peur de vous perdre à nouveau, promettez-moi de ne plus m'abandonner. C'est promis. Encore une histoire qui termine très bien. Ok, donc je n'ai pas encore débloqué la 11e, mais la 11e je la débloquerai par moi-même, donc je ferai des petites missions comme ça, moi. Les petites missions de merde comme cela, ça je vais les faire par moi-même. Entraînement intensif, tranquille. Parle-moi de ton épope. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Rien du tout, ça n'arrivera. Non, mais un futur qui s'en rapproche pourrait arriver, n'est-ce pas? Comment le saurais-je? Est-ce que quelque chose te contrarie? Non, je ne suis pas énervé, arrêtez de me harceler. Peut-être que c'est ton visage contrarié qui m'a induit en erreur. C'est votre faute à vouloir déterrer les souvenirs du futur. Je ne veux pas que ça arrive encore et je ne veux pas y penser. Est-ce que ça vous ira comme ça? Je suis désolé ma chérie, je n'ai pas réalisé à quel point ça pouvait être dur pour toi d'en parler. J'ai été indélicat, tu me pardonnes? Très bien, tant que vous me rappelez à l'avenir. En parlant d'autre chose, veux-tu? Je n'ai absolument rien à vous dire. Vraiment, j'ai une montagne de questions pour toi. Alors essaie d'un peu supporter ta mère jusqu'à l'instant. Bon d'accord. Magnifique, merci ma chérie. Si vous voulez vraiment me remercier, offrez-moi donc un dessert en haut de dîner. C'est d'accord. Et je crois que c'est la journée idéale pour un petit rendez-vous entre père-fille. Quoi? Pourquoi? Est-ce qu'une fille a besoin d'une raison pour passer du temps avec son père? La plupart des pères seraient comblés à l'idée de voir leur fille veulent leur voir. T'as raison, je devrais être heureux comme un pinceau dans un arbre. Alors, tu vas où? On va où? En ville, j'ai une boutique avec de très belles robes en vitrine. Des robes? Bah c'est ton âge. Mon âge? C'est une dimension, vous êtes à peine plus âgé que moi, père. Oui, tu as raison. La plupart des gens penseront que nous sommes frères et sœurs. Bah c'est étrange quand on y pense. Étrange, c'est une mauvaise chose. Est-ce que vous êtes embarrassé à l'idée qu'on me voit ensemble? Vous préfériez être avec mère, n'est-ce pas? Pas du tout, t'es jolie comme un cœur. Vraiment, merci, c'est si mignon. Bon, bah c'est parti, il y a quelque chose dans la ville que je veux vraiment beaucoup. Est-ce que vous me détesteriez si vous me demandez de me l'acheter? Est-ce que mère serait furieuse? Je pourrais jamais te délester, Severa, et je suis sûr que ta mère s'en moque. T'es notre fille, tu veux voir ce que tu veux. Merci père, je vous aime tant. Je t'aime aussi, Severa. Trop facile. Oh, la profiteuse!
putain. Et donc c'est ainsi qu'on a fini avec cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc salut tout le monde.